tu refasses ça. Donc, on va le faire avec ma pâte à pizza à la pomme de terre. Pâte à pizza à la pomme de terre. Donc, vous voyez qu'il a bien gonflé. Donc, elle se prend une boule. Elle va l'ouvrir. Elle va nous faire un petit sandwich. Pour varier un peu, hein. C'était tellement bon. C'était un petit sandwich fermé, genre un ultime sandwich. Donc, ça faut que la pâte, vous la mettiez quand même assez mince. Vous l'ouvrez tranquillement, pas vite. Et on a fait sauter, nous autres, du bacon, du pepperoni, des champignons. Puis j'ai rajouté un petit morceau de filet de porc que j'avais, un restant qui était cuit. Donc, c'est un sandwich qui va être à la viande. Et on rajoute avec ça du fromage. Et on va fermer ça dans un... On va l'emballer comme dans une espèce de calzone, mais c'est pas un calzone, OK? Il n'y a pas de sauce. C'est vraiment incroyablement bon. Donc, elle est en train de battre un œuf pour fermer la pâte, naturellement. Tu as besoin d'un liquide pour tout fermer ça. Donc, on va voir Sabrina en train d'assembler le sandwich. Honnêtement, j'ai jamais mangé un sandwich aussi bon que ça de ma vie. Ouais, c'était vraiment top. Donc, on voit toute la viande qui est sautée ici. Le pepperoni, les champignons. Qu'est-ce qu'on a rajouté aussi? Ça, du bacon et le filet de porc qui me restait. Donc, elle l'a mis dans le fond de son... C'est comme une petite pizza vraiment mince qu'elle a ouverte, non? De peut-être un 10 pouces de diamètre, 8 à 10 pouces de diamètre. Elle a mis du fromage au fond, puis là, elle est en train de rajouter le mélange là, de pepperoni, le porc, les champignons, le bacon. Elle rajoute un petit peu de fromage par-dessus. Il faut y aller mollo avec le fromage, ça coûte cher. OK, donc ça, celle-là, c'est à moi. Celui-là, c'est à elle. Ramène-moi de fromage. Non, il n'y a pas vraiment beaucoup de fromage. Et on ramène l'autre côté, parce qu'on a rempli un côté, hein. On ramène l'autre côté qui est vide, la moitié de la pâte, puis on vient fermer. On n'a pas besoin vraiment de faire ça, mais je le fais quand même. Okay. Et elle met un petit peu d'œuf. Tu n'as pas vraiment besoin de le faire, mais c'est vraiment... ça donne aussi un petit... Je vais en mettre petit extra, puis elle va en mettre un petit peu au-dessus pour le dorer aussi. Tu veux le pinceau, tiens? Oui, s'il te plaît. Avec un petit pinceau, puis on rajoute un peu de l'œuf battu. Je vous jure, j'ai jamais mangé quelque chose de... aussi bon, les saveurs. Naturellement, le truc dans tout ça pour les saveurs qui sont si bien développées, ouais, merci, c'est parce qu'on a fait sauter, Sabrina a fait sauter dans la petite poêle à frire, les champignons, le pepperoni, le bacon et le filet de porc qui restait. Donc, tu te retrouves vraiment avec toutes les saveurs qui se dégagent. Là, elle est en train de vaporiser sa spatule pour aller chercher sa pâte. Et on va venir déposer ça sur l'assiette à pizza. Puis elle va nous en faire trois comme ça. Elle va faire une petite ouverture juste pour pas que ça gonfle. Puis là, elle va continuer. Elle va en faire deux autres parce qu'on va en manger chacun un. Puis on a un pour les enfants au cas où. Ils ont déjà mangé, mais il y a des chances qu'ils se pointent le nez, hein, quand ils sentent la nourriture, eux autres. Hein? Yep. Donc, elle va ouvrir une autre pâte. Elles vont continuer comme ça, puis je vous reviens avec le produit final. Vous allez vraiment, vraiment voir comment c'est beau. Mais vous, si vous étiez là pour savoir comment c'est bon, j'ai hâte de voir le résultat avec cette pâte-là aussi, qui est une pâte spéciale. Pâte à pizza avec pommes de terre. Et nos fameux sandwichs, le sandwich ultime de Sabrina. Wow! Incroyable! Oh yeah! Vraiment, vraiment, ouh là là! Beau! La pâte est parfaite. Ça, c'est notre pâte avec la pomme de terre. Je vous le dis, vous allez vraiment... C'est croustillant, cette pâte-là. Ce qu'elle a de particulier, cette pâte à pizza-là, avec laquelle on vient de faire l'ultime sandwich, elle est croustillante et tendre à l'intérieur. C'est à cause de la pomme de terre, c'est quelque chose que tu ne retrouves pas avec une pâte à pizza régulière. Donc, regardez ça. Le sandwich ultime avec pepperoni, bacon, fromage, porc, champignons. Et là, Sabrina va l'ouvrir pour vous montrer comment c'est formidable. Tu trouves un resto avec ça, mon chum, tu vas faire une fortune. Naturellement, on a tout fait sauter avant de... Et voyez-vous, à l'intérieur, formidable. La pâte a bien levé, c'est une pâte qui est vraiment exceptionnelle.
C'est unique, cette pâte-là. C'est une recette d'un vieil italien. Ils sont tous des vieux, des vieilles. Avec moi, c'est tout des vieux et des vieilles, donc je vais aller manger. Ah! Incroyable! La saveur qui sort de là, le parfum qui sort de là, parce que le secret, c'est de faire sauter. Vous pourriez même faire ça quand vous faites une pizza aussi. Souvent, on le fait, mais on n'a pas le temps. C'est ce qui fait que souvent, on ne le fait pas. Là. Mais voyez donc comment c'est léger, ça se prend, ça se mange. Je peux faire une sauce à peu. Wow! Incroyable! Là. Oh, c'est chaud! La simplicité, mais cette pâte-là est vraiment unique. Vous devez essayer ça. Vous avez retrouvé la recette sur Un Monde à l'envers. Cette pâte à pizza unique avec de la pomme de terre dedans. Vraiment quelque chose de... Elle est belle, hein? Oui, belle. T'as marié la bonne. J'ai marié la bonne, apparemment. Donc, non, je pense que j'ai marié la bonne, mais en tout cas, j'ai comme pas le choix. Hein? Juste en face de moi, à trois pieds de moi. Puis son bras est assez long pour venir m'en foutre une bonne taloche à l'italienne sur le bord de l'oreille. Donc, oui, j'ai choisi la bonne, mais vraiment, la qualité de cette pâte-là. Donc, c'est ça qu'on voulait vous partager, un petit peu de variété et aussi un petit peu d'humour dans ces temps les plus sombres. Donc, essayez ça. Vous avez toutes la recette sur Un Monde à l'envers. La pâte à pizza, les natèches. Ah oui, avant de vous quitter, je vais vous montrer les natèches qu'on a sorties de leur... Voyez-vous, c'est ça, que ça donne ça. C'est vraiment... C'est extraordinaire, c'est une petite crème pâtissière dans une coquille de pâte feuilletée. Donc, je vous retrouve, passez une belle fin de soirée, puis demain, c'est certain qu'on va être ensemble.